Bon, je vais juste faire un petit point sur la gratuité de l'enseignement. Voilà, parce que ça se parle beaucoup ces derniers temps. Comme Félix Tshilombo vient d'y parler aussi au Rwanda à Kigali lors d'un sommet sur le développement de l'Afrique dans les 60 années qui viennent. Donc voilà, il a fait une petite point de presse ou une conférence de presse devant les journalistes africains. Et là où il a aussi essayé d'évoquer la gratuité de l'enseignement en RDC. Bon, selon lui, cette gratuité a créé un succès fou qui était quand même suivi d'une jalousie, la haine de ceux qui n'ont pas fait avant lui. Alors, d'abord pour parler de la gratuité de l'enseignement, il faut qu'il y ait d'abord des écoles. OK? Alors, lorsqu'on constate dans tous les territoires du Congo, on voit clairement que 60% des écoles du Congo se trouvent à Kinshasa. OK? Donc 60% des écoles, on parle d'abord des écoles primaires. 60% des écoles primaires du Congo se trouvent à Kinshasa. Alors, lorsqu'on regarde dans l'ombre et dans des provinces comme province orientale, Équateur, on voit bien qu'il n'y a pas des écoles. Alors, il n'y a pas des écoles, comment on peut bénéficier la gratuité de l'enseignement aux enfants. Donc là, il n'y a pas moyen. Il y a 2 ans passés, un journaliste congolais s'est rendu à Mbandaka. Je crois bien que les images sont sur YouTube. Quand vous tapez Ndeko Eliezer à Mbandaka, vous pouvez visionner la vidéo. Et Ndeko Eliezer s'est rendu à Mbandaka il y a 2 ans, donc en 2017. Il a sillonné tous les quartiers de Mbandaka et il y avait un souci majeur sur le plan éducation. Donc il n'y a pas des écoles. Les enfants étudient dans des écoles de fortune, voilà, où il n'y a pas de banc et les enfants se mettaient par terre. Alors ça, c'est d'abord un souci. Et puis, c'était en 89, en 1989, que Mobutu a lâché l'enseignement ou l'éducation nationale entre les mains des parents. C'était des parents qui payaient depuis longtemps, tout le monde sait. Depuis longtemps, les parents qui payaient les enseignants chaque mois. Alors, arrivée de Joseph Kabila ou de Mzee Laurent Désiré Kabila, c'était pareil. Hein? L'enseignement était toujours rémunéré par des parents. Alors, en 2006, lorsqu'il y a eu référendum, en 2006, hein, lorsqu'il y a eu référendum d'abord de la constitution du pays, ils ont voté un article qui donne l'accès à la gratuité de l'enseignement en 2006.
Mais malheureusement, Joseph Kabila n'a pu tenir sa promesse, il n'a pas réalisé la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, en 2018, fin 2018, après les élections de Fayulu Félix Tchadari, Félix Tshilombo a promis aux parents la gratuité de l'enseignement, en commençant d'abord par l'école primaire. Et d'ailleurs, il a même réfectionné une école de la ville, voilà, avec de propres moyens de l'État, voilà, ce qui est un peu bien, encourageant. Aujourd'hui, on constate que la gratuité de l'enseignement n'est qu'un discours. Un discours vulgaire, un discours purement politique. Et on se pose la question, pourquoi? La gratuité de l'école, d'abord, nécessite des moyens. Selon des experts internationaux, pour qu'il y ait la gratuité de l'enseignement au Congo, il nous faut un budget de 2 milliards 500 millions. Papa, Et avec ce budget de 2 milliards 500 millions, elle n'arrête pas de m'embêter. Elle jette des trucs sur moi. Après, elle continue à me jeter des draps. Elle est là. viens qu'elle a. Tu peux rester calme, même une seconde. Oui, Allez, on rigole. allez, calme-toi. Je dis, calme-toi, ok? Allez, calme-toi. Donc, voilà. Je disais, d'après certains experts internationaux, pour qu'il y ait la gratuité de l'enseignement au Congo, il nous faut un budget de 2 milliards 500 millions. Alors, aussi longtemps, on a un budget de 50 millions, si je ne me trompe pas. Donc, Félix Tshilombo a un budget. Voilà, allez au salon alors. Ferme la porte, Maxime. Donc, Félix Tshilombo a un budget de 50 millions, ce qui donne une paye de plus ou moins 60 dollars par enseignant moyen de l'école primaire. Donc, parce qu'il avait promis même un salaire de plus ou moins 250 dollars pour un enseignant de l'école primaire. Alors, dans un pays où d'abord il y a pas des écoles, voilà, pour dire la vérité, il n'y a même pas une école qui réfère aux normes internationales à Kinshasa. Je ne sais pas, à l'époque, il y avait des écoles avec un enseignement de père juif et une éducation catholique, protestante, vraiment un enfant qui a étudié dans une école catholique ou protestante, avait plus de succès de réussir son diplôme de master en France ou en Belgique aux années 80. Et raison pour laquelle il y avait même plus d'étudiants congolais ou zaïrois en Belgique, en France et au Canada. Mais actuellement, l'éducation, d'abord l'éducation nationale, est nulle sur tout le plan, sur sa forme et le fond. L'éducation nationale est nulle. Le Congo n'a pas évolué sur le plan éducationnel. Voilà, là il faut dire la vérité. De plus en plus, les enfants qui finissent l'école secondaire n'arrivent pas à rédiger une lettre ou à lire un texte correctement. Ça, c'est un défaut majeur. Donc voilà, c'est d'abord le secteur éducationnel qui est en jeu d'abord, premièrement, par sa nature. Et deuxièmement, par la gestion. Voilà, lorsqu'on parle de la gestion, on voit tout simplement la manière dont l'État congolais gère l'éducation. Est-ce qu'il y a un ministre de l'éducation primaire et secondaire? Oui, il y a un ministre. Mais apparemment, le gouvernement Ilunga-Ilunga-Bat ne semble guère fonctionner dans le bon sens. C'est comme si Félix Tshilombo est lui-même ministre, lui-même président, lui-même protocole, lui-même nanani nana, lui-même est tout, presque tout, c'est un président polyvalent.
Alors, on n'arrive pas à voir un ministre qui exerce vraiment sa tâche correctement comme il se doit. Donc, ça, c'est en défaut. Alors, lorsqu'on regarde dans l'ombre, comme je vous ai dit au départ, qu'au Congo, il n'y a même pas des écoles. Alors, il y a une espèce d'appellation que nous appelons souvent des écoles conventionnées. Qu'est-ce qui sont des écoles conventionnées? Après le départ de Belge, il y avait des écoles, telles que des écoles Motemampiko, Boboto, Elikia, Bondeko. Ce sont des écoles construites par de Belges. Vous comprenez? Alors, en 1960, l'État, comme il y avait un peu de désordre, des troubles, l'État, au lieu de gérer ces écoles, l'État a remis ces écoles entre les mains des catholiques. Mais l'État aussi a sa part de gestion dans ces écoles. Ce sont des écoles conventionnées catholiques. Donc ce sont des écoles de l'État, mais gérées par les catholiques, en quelque sorte. Voilà, parce que ce sont des écoles construites par de Belges. Après le départ de Belges, l'État congolais n'a construit aucune école. J'ai dit bien aucune école. L'université de Kinshasa était une université construite par de Belges. Après le départ de Belges en 1960, l'université est gérée entre les mains des catholiques, toujours catholiques. Donc Louvanium, c'est une université gérée par des catholiques, donc c'est une université conventionnée. Alors, après l'université de Louvanium, qu'est-ce qui est construit par l'État congolais? Mais je peux dire qu'il y a une université construite par Matata Mponyo en 2015. C'est ce qu'on dit, c'est à lui. Cette université appartient à Matata Mponyo. Mais je parle d'une école construite par l'État. Il n'y en a pas. Ça, c'est la honte, la pure honte qui n'a jamais existé dans un pays digne comme le nôtre. Alors, un pays qui manque d'abord des écoles, qui manque des universités, comment l'État ou le président de ce pays peut engager une éducation suivie de la gratuité et de toute formalité? C'est quasi impossible. Alors, est-ce que Félix Tshilombo réussira quand même son quinquennat? Un quinquennat de 5 ans qui commence très mal. Qui commence très très mal sur tout le plan. Sur la forme et le fond. On ne peut pas être des fanatiques. Et si la réalité nous parle en soi, on ne peut pas être des fanatiques. Félix Tshilombo a promis la gratuité de l'enseignement primaire. Je ne parle pas du secondaire et de l'université. Parce que comme je vous ai dit au départ, depuis le départ de Mobutu, l'enseignement ou l'éducation nationale est gérée par une convention entre le professeur, les enseignants et les parents. Ce sont des parents qui rémunèrent les enseignants. Et ça marchait un peu. Je ne peux pas dire que ça marchait bien. Ça marchait un peu. Alors, Félix Tshilombo, disant que cette pratique est incorrecte, le parent ne devait pas rémunérer les enseignants. C'est la tâche qui est remise à l'État congolais. Donc c'est l'État qui devrait payer, comme ça se passe ailleurs, les enseignants. Pour en faire, il a promis un budget. Un budget de 50 millions d'abord, au départ. Et ce budget, je ne sais pas, c'est un budget pour construire des écoles ou pour payer les enseignants. Là, c'est une question qui nécessite une réponse. Parce que le Congo n'a pas des écoles. 70% des écoles du Congo se trouvent à Kinshasa. Et la plupart des écoles qui sont à Kinshasa, ce sont des écoles construites par de Belges. Bobokoli, Motemampiko, toutes ces écoles que vous connaissez, ce sont des écoles construites par de Belges. L'université de Kinshasa, c'est ce que nous appelons l'Unikin ou Louvanium, a été construite par de Belges toujours. Remis entre les mains des catholiques. Alors, on se pose la question. Félix Tshilombo veut
rendre l'enseignement congolais gratuit, comme il dit, ou c'est un jeu de mots? Alors, on ne comprend absolument rien. Si c'est un jeu de mots, moi, je regrette carrément. Parce que les experts internationaux ont bien décrit que pour avoir une gratuité de l'enseignement au Congo, il faut un budget de 2,5 milliards de dollars. 2,5 milliards de dollars. Il a fait un discours ici à Paris en disant que il a dépensé plus de 50 millions de ses voyages, mais il a quand même récupéré plus d'1,5 milliard, selon ses dires. Mes chers amis, 1,5 milliard, c'est beaucoup d'argent, que personne ne vous trompe. 1,5 milliard, c'est beaucoup d'argent. Le Congo, parce qu'on essaye un peu de décrypter le chiffre du budget congolais. Matata Mponyo D a laissé plus de 5 milliards dans la caisse de l'État. Donc, ce qui fait un budget parlementaire ou gouvernemental de 4 milliards. 4,5 milliards. Sami Badibanga a laissé un budget de 5 milliards. Bruno Tshibala, à son tour, a laissé un budget de 4 milliards. Et Félix Tshilombo, à peine 9 mois, 10 mois, il nous présente avec son gouvernement Ilunga Ilunga Bat un budget de 10 milliards. C'est étonnant. C'est une drôle d'époque où on ne comprend rien absolument. On ne comprend rien, même de petits calculs de mathématiques, on n'arrive plus à le faire. Donc on avait un budget de 4 milliards à peine même, 9 mois passés. Et du coup, le nouveau gouvernement nous présente un budget de 9 milliards de dollars. Bon, on n'en disconvient pas. Ah, supposons que le Congo puisse avoir un budget de 10 milliards, par exemple. Le Sénégal vient de construire une nouvelle capitale du Dakar qu'on appelle Tchèp Diop, à quelques kilomètres du Dakar. À plus de 1 milliard, je dis bien à plus de 1 milliard 650 millions. Le Nigeria et l'Éthiopie viennent de créer une ligne ferroviaire TGV au Nigeria, métro à Addis Abeba, de plus de 650 millions, pas même 1 milliard. Une ligne de plus de 500 km entre Lagos, Abuja, Azaria, Kano. Alors, comment expliquer que Félix Tshilombo, selon ses dires ici à Paris, aux vues de tous, aux yeux de tous, qu'il a dépensé pour ses voyages présentiels plus de 50 millions. Eh, les gars, 50 millions, c'est beaucoup d'argent. 50 millions, on peut construire plus de, si je ne m'abuse pas, plus de 12 écoles avec des normes internationales. On doit construire plus de 12 écoles à plus de 2000 élèves à chaque école avec des normes internationales. Parce que pour ne pas vous cacher la vérité, des écoles du Congo, à l'époque, c'était de meilleures écoles, mais actuellement, ce ne sont pas de meilleures écoles. Parce que ce n'étaient pas les écoles qui faisaient des gens, c'était l'enseignement, la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, cette qualité de l'enseignement n'existe plus d'ailleurs. D'ailleurs, quand vous observez de loin, vous allez vite voir que la plupart des finalistes, des étudiants qui partent à l'université, ne savent ni lire, ni écrire. C'est dur. La France, bon, je ne vais pas parler de la France parce que c'est beaucoup dire. Le Maroc, c'est un pays que j'aime bien parce que c'est mon deuxième pays. Le Maroc a un système éducationnel un peu très avancé comparablement à certains pays européens. Voilà, il y a pas mal de gens qui viennent étudier au Maroc. Mais
Le Maroc a développé un système de la gratuité de l'enseignement depuis 1974. Je dis bien depuis 1974. Un système comparablement au système européen où il y a la cantine, donc les enfants ou les élèves mangent à l'école, dorment même à l'école, donc la sieste de 2 heures à l'école, où il y a tous les yeux possibles pour développer la connaissance des enfants à l'école. Il y a du sport à l'école, comme aux États-Unis, il y a du basket, le foot, handball, tennis, natation, il y a tout. Parce que l'école commence normalement de 8h et termine à 16h45. Ça, c'est l'école. Au Congo, il y en avait aussi. Je connais pas mal des écoles qui pratiquaient ce genre de pratiques. Il y en avait. Parce que le système belge de 7h30 à 12h30 n'existe même pas en Belgique. Depuis 1982. Le système belge, ça, c'est un système colonial qui consiste à apprendre à un enfant à comprendre, à lire et à écrire, et point barre. L'enfant ne peut pas aller au-delà de ses limites. Mais c'est grâce à Mobutu aussi, et là il faut s'y souligner, qu'on a obtenu un master à nos universités, un niveau de licence ou master, et un niveau de doctorat dans nos universités. C'est grâce à Mobutu. Parce que le système colonial était seulement apprendre à un enfant ou à un élève à écrire et à lire, ainsi qu'un métier. Ça y est, c'est fini, c'est pour cela. Vous remarquerez bien, la plupart de nos parents ou nos grands-parents étaient vraiment brillants, intelligents, mais ils n'avaient pas assez de diplômes pour ne pas aller au sujet de Tshisekedi wa Mulumba, qui a commencé à travailler en 1960 et il a obtenu son diplôme de doctorat en 63. Et en 60, il se disait déjà docteur. Tandis que le système du doctorat est venu au Congo qui est en 63. Donc lui, en 60, était déjà docteur en droit. Un docteur en droit, comme disait Boketchou, qui n'a même pas écrit un livre, c'est étonnant. Un docteur en droit. En droit. Donc, lorsqu'on parle de la juridiction, c'est lorsque on manque de quoi condamner un victime. C'est par là le docteur en droit intervient pour créer une loi inexistante, une loi qui n'existait pas avant. C'est là qu'on appelle la juridiction. Donc, ce sont des gens qui créent même des lois. Mais, étonnamment, il n'a pas écrit ni une loi, ni un livre, mais il a rédigé seulement le manifeste de l'Antiele pour maintenir Mobutu en dictature pendant 32 ans. Ça, c'est fascinant, hein? J'ai connu pas mal des éminents professeurs au Congo. Quand je parle des éminents professeurs, vous savez, des gens comme de Boshab, pour ne pas aller loin. Des gens comme de Boshab, quand il débarque au Dakar, à l'université Senghor Dob, à l'université Kanta Diop, les étudiants tremblent quand... Je vous dis, quand Boshab, le professeur Boshab, débarque, mais c'est quelqu'un au Congo qui s'agenouille devant un idiot. C'est quelqu'un qui lâche le bottes d'un idiot au Congo, mais il est loué comme un roi dans d'autres pays. Le Congo ne manque pas des éminents professeurs. Le Congo ne manque jamais des hommes forts. Mais il nous faut des institutions fortes. Et lorsqu'on parle des institutions fortes, un suivi, la maintenance, logistique,
et des moyens. Cela donne une institution viable et forte. Le ministère de l'éducation primaire, secondaire et université existe quand même. Il y a un ministre quand même, on ne peut pas le nier. Est-ce qu'il travaille? On ne sait pas. Est-ce qu'il travaille? On ne sait pas. Et moi, vraiment, je me pose des questions. Félix Tshilombo, bon, je peux dire que c'est quelqu'un qui est grandi en Belgique, à Bruxelles. Bon, je ne sais pas si, comme, mais je ne peux pas traduire les gens disent, tout ce que les gens disent, qui n'a pas étudié, nanana, mais moi, je connais ce pote à lui. Ce pote à lui qui confirme qu'il a étudié. Il a obtenu quand même son diplôme d'État à Kinshasa avant d'y aller en Belgique. Donc, si en Belgique il n'a pu continuer ses études, là je ne sais pas. Je n'ai pas assez d'informations sur ça. Mais Félix Tshilombo, c'est lui qui a passé toute sa jeunesse à Bruxelles. Ses enfants étudient dans des écoles belges. Parce qu'un papa qui se respecte doit accompagner ses enfants à l'école et le récupérer de retour. Donc, il connaît bien le système éducationnel belge. Comme je vous ai dit, le système là qui est au Congo n'existe plus en Belgique. Parce qu'à chaque fois, les Congolais disent on a une espèce de copie-coller, l'enseignement belge. Cet enseignement n'existe pas en Belgique. Belgique, Espagne, France, Luxembourg, tout, ils ont opté un même enseignement. C'est l'enseignement du système européen. Celui qui étudie en Belgique ou en France ou en Espagne a le même niveau que celui qui étudie dans les autres pays ou États européens. Donc, dire que le système congolais, c'est un système belge, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Là, il faut enlever ça dans la tête. Nous devons changer le système de l'enseignement congolais. Le système d'éducation nationale, on doit le changer coûte que coûte. C'est un mauvais système. C'est un mauvais système. Là, je m'en souviens, à l'époque, il y avait des pères juifs, l'église catholique, qui assumait une partie, une grande partie, moi je peux dire, de l'enseignement national. L'enseignement est bafoué. L'enseignement est bafoué. Demandez actuellement, tu demandes à un étudiant ou à un élève de 5e ou 3e année primaire, tu lui demandes le livre que je cite, Mon ami Paul, Au gré des vagues, Grand-mère français, tu demandes à un élève actuellement, anthropologie du 5e année, tous ces livres n'existent plus. Les élèves n'étudient plus, ne font plus les tests. Les textes n'existent plus dans les écoles. Or qu'avant, il y avait un enseignement vraiment suivi par l'État. À l'école, on avait par exemple des cours élocution langage, où on apprenait un enfant à parler le français. On avait même une espèce d'interdiction avec une coquille d'escargot qu'on interdisait aux élèves de ne pas parler lingala dans la salle de classe. On avait une espèce de bavard. On écrivait des gens qui parlaient un peu beaucoup dans la salle de classe. Et on avait une espèce de dictée suivie du texte. Comme je vous ai dit, il y avait pas mal de bouquins. Et chaque élève doit impérativement avoir ses bouquins. Obligatoirement. Au gré des vagues. J'ai même des textes qui sont restés dans ma tête jusqu'alors. Je peux réciter comme de l'eau. Et il y avait un enseignement digne de son nom. Mais aujourd'hui, c'est un grand regret.
l'enseignement est bafoué. On fabrique des terroristes et des coulonnes au Congo. On ne fabrique pas des étudiants, on fabrique des coulonnes et des terroristes. Moi, souvent, je chatte avec pas mal de gens qui sont à Kivu, Bukavu, Lubumbashi. Mais je vois un mec qui me dit que voilà, je suis étudiant dans telle université. Mais moi-même, bon, j'aime pas rectifier de phrases des gens. Je laisse tomber, continue à ta manière. Moi, je suis pas là. Mais des gens qui n'arrivent pas à écrire correctement, des millions de fautes d'orthographe. Le participe passé du verbe être, avoir. Ça, on dirait que ça n'existe plus au Congo. Ça n'existe plus au Congo. C'est horrible. C'est horrible. Donc, un étudiant pour rédiger, par exemple, ou écrire une phrase, ne sait même pas que la règle est universelle. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Mais là, on dirait, bon, Félix a parlé aussi des enseignants fictifs. Donc, c'est-à-dire les enseignants dont les noms ne sont pas enregistrés sur la liste du ministère de l'Éducation. Il semblerait qu'il existe aussi des enseignants qui n'ont jamais été enseignants. Mais si c'est là le cas, mais ça, c'est encore une bombe à retardement pour l'enseignement. Ça, c'est encore grave. Des professeurs fictifs. Ça, c'est encore grave. Je me souviens bien quand j'étais à l'Institut des Beaux-Arts, parce que je passais première, deuxième, troisième année à l'Institut des Beaux-Arts. Après, je me suis dit non, mon niveau n'est pas là, il faut que je fasse la maths ou bien la chimie. Et j'ai quitté l'Institut des Beaux-Arts. Et pour moi, c'était facile. C'était facile, très très facile. Je ne voulais pas un truc de facilité dans ma vie. Je voulais faire vraiment la maths, la chimie ou la biologie. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait la biochimie. Voilà. Donc, on avait un professeur de mathématiques qui s'appelait Mafos. Papa, elle est où? Elle dort, elle fait la sieste. Et là, elle dérange trop. Non. Allez, ferme-moi ça, Métis. Donc, on avait des professeurs, je ne sais pas s'il y en a encore, Mafos, ceux qui ont étudié à l'Institut des Beaux-Arts des années 80. Mes collègues de classe, Nana Botepa, Bondo Ndalamba, Lunsilulu Ntie Giscard, Mbilo, je salue de passage mes collègues de l'école et mes collègues de classe. J'avais beaucoup de collègues, mais malheureusement, 30 ans passés, je n'ai jamais vu un. Je n'ai jamais rencontré un. Voilà, c'est ce qui est un peu bizarre. 30 ans passés, hein. 30 ans passés. Malheureusement, on essaye de garder fort, mais on reste jeune, mais ce n'est plus le cas. Voilà, ce n'est plus le cas. L'enseignement, je ne suis pas là pour critiquer Félix Tshilombo, mais je voulais donner un coup de pouce, voilà, en quelque sorte, pour essayer un peu de voir grand devant. Qu'est-ce que nous devons faire dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, pour l'enseignement congolais? C'est un enseignement vraiment qui est par terre. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de beau. D'ailleurs, vous allez voir quand vous partez, par exemple, à Lubumbashi, où j'ai des amis là-bas, des moutos, que je salue de passage. Et vous allez voir que la plupart des enfants étudient soit en Zambie ou en Afrique du Sud.
Le Lubumbashi vraiment est resté vide, vide, vide. Ceux qui ont des moyens envoient toujours leurs enfants à l'étranger, soit Harare, Zimbabwe, soit Afrique du Sud, soit Zambia. C'est mieux que laisser l'enfant étudier au Congo ou à Kinshasa. Et à ce qui concerne les universités du Congo, là, on ne peut même plus parler. Il faut qu'il y ait une réforme, vraiment. Il faut qu'il y ait une réforme, vraiment, je vous dis, c'est de la merde. Ça, c'est la merde. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. C'est horrible. C'est horrible. On ne peut pas continuer comme ça. J'avais un ami qui avait une copine, pas une femme, mais une copine. Et souvent, j'ai discuté souvent avec sa copine, tout ce qui est politique, histoire, science, nanana. Et un jour, la fille me dit que voilà, j'ai étudié à l'ISTA. J'ai eu mon diplôme de licence à l'ISTA, nanana. Mais j'étais frustré. Et je lui ai dit, oh, mais je ne savais pas. Parce que c'est moi qui l'apprenais. Elle m'a appris absolument rien. Même 10 minutes. Et j'étais étonné le jour-là. Elle m'a dit, non, j'ai un diplôme de licence, de l'ISTA, nanana. Ah, mais c'est horrible. Donc l'ISTA forme des idiots et des bourriques. C'est horrible. Bon, je ne critique pas l'ISTA, je connais à ma génération, je connais André, hein? Mon ami de tous les temps, André, Liao, lui là, c'était quand même un bon cerveau, hein? C'était quelqu'un d'une tête... pas plein bombé, mais bien faite. Mais les autres, les autres pitié. Donc, les autres pitié. Donc, voilà. Si réellement Félix Tshilombo veut avoir des aides de par le monde, par la diaspora congolaise, on est là, on pourra... quand même lui prodiger des conseils, lui donner quand même des idées, voilà. Mais parlons de la gratuité de l'enseignement, moi je dirais, c'est une escroquerie politique purement. C'est une escroquerie politique purement, il n'y a rien à discuter dessus. Donc, il n'y a rien. Si nous voulons vraiment aller de l'avant, il faut des moyens. Il faut des moyens. Il nous faut beaucoup d'argent. Construire des écoles. Vous voulez la gratuité du transport en commun? Mais c'est simple, il faut qu'il y ait de bus et de route. N'est-ce pas? Donc vous voulez la gratuité du transport en commun à Kinshasa ou au Congo? Mais il faut qu'il y ait des routes et de bus ou des trains. Mais lorsqu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de route, est-ce que vous pouvez parler de la gratuité des transports en commun? Ce serait une escroquerie, hein, politique. Voilà, c'est pareil avec l'enseignement. D'ailleurs, il y a 200 patients de Kweliezer étaient à Mbandaka et ils avaient des larmes aux yeux. Il faut changer le programme d'éducation nationale d'abord, premièrement. Construire des écoles, voilà. Voter un budget, il faut que l'enseignement puisse opter son propre budget. Vraiment son propre budget. Que tout Congolais sait que voilà, il y a un budget de 2 milliards, un budget de 3 milliards pour l'éducation nationale. Là, on pourra espérer, on pourra encore recevoir, comme avant, des étudiants venus d'ailleurs. On pourra encore voir des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens, venir étudier dans nos écoles, dans nos universités. Parce que
des années 80, 82, 83, 88, il y avait un budget de l'éducation nationale. Il y avait un budget. Il y avait des bus, des transports pour les étudiants. Il y avait même la cantine pour des élèves. Donc moi j'ai étudié à Bobo-Colé. Quand j'ai dit il y avait une cantine, il y avait une cantine. Personne ne peut le nier. Il y avait une cantine. On commençait l'école à 8h. À 10h, on prenait du lait. Et à midi, on mangeait. À 16h, on quittait l'école. Il y avait même une salle de cinéma. Je ne sais pas s'ils ont détruit ça. Mais à mon époque, il y avait une salle de cinéma dans l'école. Il y avait une salle de jeu. Et on avait des enseignants belges, allemands, américains, français, zaïrois. Ceux qui ont étudié à Bobo-Colé peuvent en témoigner. Aujourd'hui, je ne sais pas. Mon fils a étudié aussi là-bas. Mon fils aîné, Joël. Il m'a dit que non. À l'époque, il me disait, bon, c'était pas pareil comme à l'époque, comme à votre époque, c'est ce qu'il me disait. Mais il y avait quand même un enseignement. Il y avait de l'ordre. Il faut qu'il y ait l'audit, un contrôle général, d'abord de l'effectif des enseignants. Parce qu'il y a aussi des enseignants fictifs, comme Félix vient de le dire. Il y a de faux enseignants. Il y a de faux diplômes. Il y a de faux diplômes, il y a de faux enseignants. Moi, j'ai connu des enseignants, des professeurs, des éminents professeurs. J'ai connu, j'avais un professeur à l'université, le mec s'appelait Bavouidis. Il dispensait le cours de mass media, méthode d'activité sociale. Mais ce mec-là, c'était un mathématicien, c'était un mec de ouf. Aujourd'hui, je ne sais pas, il semblerait qu'il est en Afrique du Sud, là où ça paye un peu bien. Il semblerait qu'il est en Afrique du Sud. Ils avaient un professeur d'anglais, Mycelio. Ah, ça me fait pitié, ça fait pitié. Ça fait pitié. Un pays où l'éducation est bafouée, un pays où l'éducation n'est pas considérée, un pays où l'éducation n'est pas soutenue par le gouvernement en place, c'est un pays mort. C'est un pays mort. Parce qu'on ne forme que des criminels. Illustrons le cas de l'Afrique du Sud. Il y a aussi la gratuité de l'enseignement en Afrique du Sud. Mais comme il y a un problème du racisme, de xénophobie là-bas, la plupart des Noirs préfèrent rester à la maison qu'aller à l'école. Et quand vous partez en Afrique du Sud, vous allez vite comprendre qu'il existe ce qu'on attend par l'incompréhension. Humainement parlant, l'incompréhension des gens qui n'ont pas un niveau. L'agression, la violence verbale. C'est ça qui a commencé au Congo, dans tous les territoires. Vous discutez avec un Congolais, il n'a pas ce qu'on attend, l'élocution de politesse verbale. Sa façon de parler. Et quand vous discutez même avec des Congolais, ils ont tendance à crier. Je ne sais pas, crier, c'est avoir raison ou de convaincre une personne. Alors, un homme qui a des idées claires, une personne qui a des idées claires, nettes, n'a pas envie de crier. Ok? Lorsque j'ai la réponse de 1 plus 1 qui égale à 2, je n'ai pas envie de crier. Il suffit de vous dire que 1 plus 1 égale 2, ça suffit. Mais lorsqu'on a tendance à crier plus fort pour obtenir une raison au gain de cause, là, il faut comprendre, il y a un souci. Hein? Il y a un souci. Bon, voilà, j'ai pas mal de gens derrière moi qui voulaient que je sois derrière Félix Tshilombo, nanana. Mais je ne le suis pas. Moi, je ne suis pas un suiviste. Je ne suis pas vraiment un suiviste. J'aurais dû aimer Félix Tshilombo, comme fit le cas lorsqu'il fit président de rassemblement.
et que Joseph Kabila voulait obtenir 4 noms pour désigner un premier ministre. Moi, personnellement parlant, j'ai choisi Félix Tshilombo. Je ne suis pas derrière Fayulu. Non, détrompez-vous. Je ne suis pas derrière Fayulu. Il fait des réunions ici à Paris, à côté de chez moi d'ailleurs. Je n'ai jamais mis mes pieds dans ces réunions. Il fait ses réunions à chaque fois qu'il débarque ici en France. Il fait ses réunions ici. À Paris, je n'ai jamais mis mes pieds. C'est un opportuniste. Je n'aime pas des opportunistes. Parce que c'est à cause de Fayulu qu'on est arrivé à ce stade. C'est à cause de Fayulu qu'on est arrivé à ce stade. Parce que tout le monde savait bien que l'homme qu'il fallait après Kabila, c'était Félix Tshilombo. Là, je ne mets pas l'eau dans ma bouche. L'homme qui devrait être premier ministre de Kabila à l'époque, pendant la transition, c'était Félix Tshilombo. L'homme qui devait remplacer Kabila, c'était Félix Tshilombo. C'était ni Moïse Katumbi, ni Jean-Pierre Bemba, ni Fayulu. On parlait de Jean-Pierre Bemba, Fayulu, Moïse Katumbi comme des collaborateurs de Félix Tshilombo. D'ailleurs, si vous regardez dans l'ombre, Félix Tshilombo était leur patron dans le rassemblement. Parce qu'il était le président du rassemblement. Et c'est lui qui était désigné en qualité du premier ministre de la transition en 2016, avant la fin du mandat de Joseph Kabila. Papa, quelle veut tomber? Arrête là. C'est de l'arrêter après, elle continue. Ok, j'arrive tout de suite, 2 minutes. Alors, ils sont allés à Genève, je ne sais pas, l'idée est sortie d'où. Et arrivé à Joseph, tout le monde savait que celui qui devrait être le candidat de tous, c'était Félix Tshilombo. Mais je ne sais pas comment ils ont fait pour donner une opportunité diabolique à Vital Kamerhe. On ne devait pas aller par Vital Kamerhe pour désigner Félix Tshilombo candidat. Non, ce n'était pas prévu dans le plan. On ne devait pas aller derrière Vital Kamerhe pour faire sortir Félix Tshilombo candidat de tous les Congolais. Mais Vital Kamerhe est un Rwandais, diable Lucifer, il a profité de l'occasion. Vous comprenez? C'est comme si dans les quartiers, vous admirez une fille et vous n'arrivez pas à lui parler face à face, les yeux dans les yeux. Alors, un voyou peut débarquer le jour au lendemain, ramène la femme, parce qu'il a utilisé des mots, il a parlé, parce que du fait de parler déjà, c'est déjà idéal. Comme il y a une expression qui dit, de chez nous, lorsque vous rencontrez un diable, il faut crier pour que sa voix ne puisse pas se taire. Alors, vous avez vu une femme qui vous semble belle. Parlez, du moins vous avez parlé que madame, je vous aime bien, je veux que vous soyez ma femme. Et c'est à elle de décider. Si elle dit oui, vous bénéficiez le gain de cause. Si elle dit non, vous abandonnez. Mais du fait que vous n'avez pas parlé à la femme, vous savez comment ça fait mal au cœur. Aujourd'hui, je ne pouvais même pas parler de Fayulu. Qui est Fayulu? Fayulu n'était pas au rang des grands. Et Moïse Katumbi n'était guère aimé par des Congolais par sa trahison. Qu'il a commis des pillages systématiques au Katanga, au détriment des Congolais et à faveur de Joseph Kabila et au bénéfice des Rwandais. Jean-Pierre Bemba, c'est un prisonnier, un vagabond, qui devrait compter un président vagabond qui sort de la prison à la tête de l'État. Qui dans ce pays, au moins qu'on soit des fous. Mais l'homme qui semblait bien, honnête, protégé par la population, c'était Félix Tshilombo. Mais il a gâché la fête en acceptant une offre diabolique des Rwandais. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous?
Vous avez vu des photos qui circulent sur Facebook, non? La main dans la main, Félix Tshilombo avec Paul Kagame. Ça fait couler les larmes. Hein? C'est comme si on oublie ce qui s'est passé hier au Congo. Des millions de victimes, des millions de morts. Où allons-nous? Et vous voulez que je sois derrière Félix? Si on peut recommencer tout à zéro, là je pourrais faire un choix. Mais le temps passe. Alors, cher ami, je suis presque à la fin. Je ne pourrais pas tenir encore mon téléphone si longtemps. Comme vous me connaissez, toujours en connexion, Google. On a toujours de quoi éventrer les bois à chaque fois. Je vous tiens... Quel jour ce week-end, on pourra encore parler. Aujourd'hui, on a parlé sur l'éducation nationale, la gratuité de l'enseignement, nanana. On a essayé un peu de donner pas mal d'illustrations, des exemples et tout et tout. C'est bien. Donc, ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo, donc je laisse ça sur mon mire jusqu'à 20h, 22h et puis je la supprime. Demain ou après-demain, on verra bien si Dieu nous donnera toujours la bonne santé. Parce que avant de parler, il faut avoir la bonne santé. On pourra encore faire une vidéo sur la cartographie du Congo. C'est hyper important, hein? La cartographie du Congo, la géopolitique du Congo. De parler du Congo dans le fond. Et vous aurez aussi l'histoire de Minembwe, Banyamulenge, tout ça, vous verrez ça. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.